What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. Why do I love the
Bienvenue, bienvenue sur le stream légendaire de Orion. Eh bien, salut à tous mes chers amis, bienvenue sur ce nouveau live sur Gartic Phone. Vous avez l'habitude maintenant, c'est toutes les semaines. Alors avant c'était le vendredi, maintenant c'est le lundi. On a une belle équipe ce soir, on est une belle équipe, je pense que ça va être rigolo, je pense que ça va arriver aussi en flux tout au long de la soirée, donc c'est plutôt cool. Donc on va aller les rejoindre, hop là, le temps de trouver, et ça... Salutations à tous. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Voilà, aujourd'hui on joue à League of Legends, c'est ça non? C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, on n'est pas beaucoup. On est quatre. Faut que je relance un petit peu parce que les gens sont en retard, comme d'hab. Mon Dieu. Déjà, vous êtes tous sur souris? Oui. Alors non, moi j'ai pas de souris en fait. Donc, ah. je prends mon stylet mais je prends pas mon gant. Ah, elle va dessiner au clavier. Non, non, je vais dessiner au stylet mais sans gant. D'accord, ok. Au stylet donc, sans gant. Toi qui dessines. Non, non, y a pas de soucis. Non, mais y a pas de soucis. Tu te mets un petit challenge. À quel point c'est chiant. Ouais, tu te mets un petit challenge. Ah ouais, ouais, oui, bah déjà dessiner au doigt c'est compliqué, limite plus que la souris donc. Moi je peux tricher, je le mets jamais le gant. Je me sers de ma manche. Sérieux? J'ai pas de manche là pour le coup. Ah, vous mettez pas le gant ultra. Mon dieu, quelle affaire. Bon, allez, c'est parti, les amis. On va partir. Attends. J'arrive. Tu l'as mis où le lien? Le lien, il est dans Info Party, comme d'habitude. C'est bon. J'arrive. Ah, faut tout leur expliquer à chaque fois. T'as vu? C'est un scandale. D'ailleurs, par rapport aux tablettes graphiques, vous parlez de tablettes graphiques où la main. Non, moi je suis sur iPad. Mais oui. Ah, sur iPad. Ouais, c'est là où c'est pris en compte. Je sais que mon copain, lui, s'est acheté une tablette où c'est à. Genre, la main n'est pas prise en compte. Ouais, c'est une tablette avec un. 100% tactile, quoi. Bah, moi j'ai les deux. J'ai une Intuos de chez Wacom, l'Intuos 5 large, je crois, la Pro 5. Ouais, tu as le doigt. Et par contre, mon autre avec mon écran, là où yonne. Là, il n'y a pas le doigt qui est pris en compte. Ouais, bah lui aussi, il a une Wacom, du coup. Ouais, bah oui. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour... il peut aplatir sa main bien, là. Ouais, après, c'est plus du gadget qu'autre chose. Une tablette graphique avec le doigt, c'est plus pour aller choper des actions à droite à gauche ou s'en servir comme souris, réellement. Ok, ouais. Donc, nous sommes cinq. Jadounette qui vient de nous rejoindre, c'est parfait. Du coup, bah on va peut-être lancer une game comme ça hein, pour l'instant. Et puis, bah, en attendant. Alors, concentre-toi, essaie de reproduire les dessins. Mais attends, il y a eu une mise à jour. Ouais, il y a des nouveaux modes. Oui, hein, regarde. What? Mais c'est quoi tout ça? Cool et tout. Mais c'est exceptionnel. Essaie de reproduire les dessins alors que le temps accélère. Ah, oh, et on va faire ça. Franchement, je pense que ça peut être rigolo. Essaie de reproduire les dessins. Oh là là. Ouh là là! Ah, du coup, on dessine direct, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, on va faire un truc. Je sais pas du tout. Est-ce que je fais le salaud dès le début ou... Non, moi j'essaie de faire un truc simple là déjà. Moi j'essaie de faire un truc tout court là. Moi aussi j'ai fait un truc tout bête, je me suis pas...
comment il est moche mon dessin. Dis donc, ça va pas tant. Ah bah il faut. Hein. Ça va pas, ça va pas. T'as combien de watts? 9. Ah oui. Ok. C'est pas beaucoup. Mais je suis à 72. Ouais, mais je suis en. Comment dire, en sel de nicotine. Donc je suis en vape direct. Si, ah oui, d'accord. Si, ouais. Si je mets à 60, je brûle, si tu veux. Oh et, putain, oui, effectivement. Et je pense que la clope aussi brûle pour le coup. J'ai trouvé un truc simple, je ne fume pas. Ça marche et je aussi. Prends de la poteuse. Ça marche aussi. Plus... Hein. C'est une simple. Solution. Bon, après, je suis asthmatique, hein, donc. Ah, moi aussi. Ah oui. Génial. Moi aussi, Osef. Hop. J'aime me faire du mal. C'est ça. L'homo masculin. L'homo masculin, ah bah bravo. La façon d'écrire cette phrase est très importante quand même. Hein. L'homo oui. Masculin. L'homo masculin, ouais, c'est ça. Ça peut vite ne plus vouloir dire la même chose, pour le coup. L'importance de l'orthographe, c'est comme les ponctuations. C'est ça. C'est hyper important. Très important. Oh, j'ai fait le salaud, je suis désolé. Hein. Non, j'ai vraiment fait le salaud là. Vous allez galérer. Franchement, celui qui tombe sur mon dessin, je pense qu'il va rage quit. Je me suis spoil, j'aurais pas dû. Ah, je te vais. Ah mon attends. Dieu. C'est simple faut... de le reproduire. Surtout que le pire, c'est qu'il faut le mémoriser, quoi. C'est ça. Quel temps il passe, hein. Ouais, le temps il passe, comme tu dis. Dessinez-le. Logique. Dessinez-le, on est d'accord, il y a une faute d'orthographe, pardon. Ah, on peut pas écrire, hein. Je le rappelle. Je suis pas sûr. J'ai réussi. Mon fou. Oh merde, j'ai pas eu le temps. Oh. Ouais. Bah. J'ai même pas fait un trait, moi. D'accord, je comprends mieux. Tant mieux. Bon, on va la jouer rudimentaire parce que du coup, j'étais pas prêt pour le time. Et oui. Ah, feu. Je pense que ça va être relativement rigolo. Salut les nuls, comment vas-tu les nuls 3 qui nous rejoint. Salut, si tu veux venir, n'hésite pas. Salut. À rejoindre le Discord. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va de plus en plus vite ou... Ouais. Et j'ai l'impression, hein. Voilà. Salut Maxi Flipper, comment vas-tu? Comment vas-tu copain? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live, l'ami. Et si tu veux rejoindre, n'hésite pas à faire point d'exclamation Discord et nous rejoindre. Et c'est parti, maintenant on va voir nos super créations, nos super réplications. Merci à toi Maxi Flipper pour ce follow légendaire. Ok, je suis désolé, c'est vrai que là... Oh là là, mais toi aussi. Voilà, mais là ça va, vous avez de la chance, je suis pas à la tablette. Oh Bibi, écoute, Bibi, hey, feuille blanche. Il y a un lien, c'est un husky, il vit dans la neige, il a dessiné la neige,
c'est raccord, je valide. Je valide totalement. Bah, en fait, le ça va, c'est le dessin qui s'affiche et moi j'ai juste attendu que le chrono soit terminé en me disant je vais essayer de mémoriser un maximum de détails. Et à la fin, ça a passé au niveau, c'est passé au dessin suivant. Ah bah bravo. Oh, ça va. Couleur pour le coup. Un petit changement de couleur. Mais pourquoi t'as fait des thunes? Putain, ton soleil, tu lui as fait des brins. On dirait le Covid, le bordel. C'est la représentation du Covid, c'est carré qui fait ta 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 ta. Il y a un daltonien dans le groupe, vous mettez que des trucs avec plein de couleurs. Salut Greg Traveler, j'espère que tu vas bien. Alors là, tu vois, j'ai commencé un truc de ouf, mais j'étais pas prêt pour le temps, en fait. Bah, ouais, moi j'ai fait le minimum. J'ai pas fini la veste. Ah, mais ça va de plus en plus vite aussi. Ah, de ouf. Non, mais ce mode est ouf, en fait. Ah, alors le drapeau, il a pris cher. Parce que j'ai pas eu toutes les couleurs. Regardez bien. Là, ça devient un vert. Là, ça devient un crochet. Le drapeau, il fait la gueule. Oui, oui, oui. Voilà. On était quand même ça à la base, hein. On est ça à la base. Je tiens à rappeler dans le chat que je ne vois pas le rouge. Ah oui, merde. Oui. Oh merde. Ah ouais, je suis désolé. C'est vrai. Elle a fait alors de ça, on va faire un petit mode sandwich. Ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous avez le lien. Il n'y a que des dessins. Il n'y a pas de phrase. Si, il y a tout en fait. Alors. Là, c'est le mode. Oh, est-ce que je fais. Est-ce que les mots imaginaires sont autorisés ou pas? Faut vraiment faire un truc crédible. À toute voix. Super Maxi Flipper. Pauvre Bibi. Ouais, t'as vu, Bibi, il avait plus de chapeau. Pauvre petit Vivi. Donc si, Great Traveler, t'as plusieurs modes de jeu. Là, on est en train de tester. Il y a une belle mise à jour, apparemment. Donc on est en train un petit peu de faire le tour des... Oh non. Mais... En plus, ça va... Putain, tu me sors un truc, c'est pas du tout mes refs. Et merci à toi pour le follow, Kinside. Alors, je rappelle que vous avez le droit de vous servir de Google s'il y a des références que vous ne connaissez pas. Horrible. Je pense que ça va nécessiter des explications à la fin. Tu penses? Ils vont tomber sur mon mot, ça. C'est ça. Bonne chance. C'est pour ça que je donnerai l'explication du pourquoi du comment. Tu penses que ouais, c'est, ça devient vital là. Pourquoi j'ai plus de temps? J'ai bugué. Ouais, non. Ça a figé chez moi aussi. Ah ouais, c'est. On a été disqualifié. Peace. Non, le temps il continue. Il s'est juste ralenti, je pense. Bah moi ça a bugué, hein. J'ai plus rien. Ouais, je pense aussi comment ça a bugué. Moi la jauge elle est totalement vide, hein. Ouais, moi aussi. Ah, profitez-en pour parfaire votre création. Pas mentir que sans... Salut Hunting, merci pour ce follow. Vous êtes légendaire comme d'habitude. Voilà. Oh. Voilà, super, je suis en train d'effacer un truc, c'est génial. Alors, on va produire. Oulala. Oh, mais c'est quoi ça? Waouh. Ok.
Mais vous êtes sérieux? J'ai oublié à quoi ça ressemblait. Oh. Moi aussi. Ah, c'est super gentil ça, Maxi Flipper. Merci à toi. Merci à toi. N'hésite pas, t'as tous mes réseaux dans la bio. N'hésite pas, l'ami. C'est super gentil. Si vous voulez participer, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord et nous rejoindre. Alors, je sais pas trop sur le dessin que j'ai ce que la personne a voulu représenter. Mais... oh non. Alors. Oh, j'adore. Non, en plus, tu vois, c'est. Le dessin est cool. Je trouve le dessin vraiment cool. Vraiment sur. T'as une DA. T'as une DA très stylée. Est-ce qu'il y a un petit bug ce mode? Mon dieu. Ouais, ou alors c'est la jauge de temps qui est pas bonne. Ouais, qui est pas correcte. Alors. Ah ouais, oh, d'accord. Mon dessin. Ah, mon dessin. C'est parti. Oh, ouais, mais il y a de l'idée. Bah... Ah, je voulais faire les traits de la momie, tu sais, du bandage. Mais... Ça me chauffe avec une allergie. Pourquoi? Pourquoi? Je voulais pas prendre ce rose-là à la base. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors déjà, attends, on peut pas tu stopper. L'explication, regarde. Qu'est-ce qu'une perlipipoupette? T'as la perle, t'as le pi et t'as le truc qui fait pointe. Je suis pas très loin de la lune tous du sang. Pourquoi? À quel moment? Je sais pas. Je vois une lune qui tousse là en fait. Franchement, ah, c'est un alligator. Ah, pardon. Parce que vraiment, mon dessin est ignoble. Non, ça va. Non, franchement, il est cool. En fait, j'ai voulu rattraper ma roue. Tu vois, celui d'Ikilia, je le trouve stylé. Franchement, je sais pas. Il me restait 2 secondes, j'ai fait ça en 2-2. Voilà, pour moi, c'était un dinosaure sur une bicyclette, quoi. On n'est pas loin, un dinosaure, un croco. Bon, voilà. Je croyais que c'était un croco, moi, mon dieu. C'est l'ancêtre. Trop beau. Ouais, le suivant est pas pareil, hein. Moi aussi, il est beau. Il y a de l'idée, ça va, franchement. Eh! Ah bah voilà! Ta-ta-ta-ta! On est resté. Moi j'ai remarqué le détail du slip. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, je compte un petit peu sur votre respect. Je vais vous mettre le lien donc, de la game. N'hésitez pas à rejoindre. Hop, Gartic Phone, boum, 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 boum. Je vais vous envoyer ça directement dans le chat. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Gartic Phone, il vous suffit de cliquer sur ce lien, de choisir votre pseudo et de nous rejoindre. Je vous laisse quelques secondes pour rejoindre ceux qui veulent. Voilà, venez nous faire grâce de vos talents artistiques. Et on a Maxi Flipper qui vient de nous rejoindre. Salut à toi. Salut à toi. Maxi Flipper qui est avec nous. Hop. Et que si tu veux. Salut Torinka. Hey, bonsoir. Donc Torinka, c'est Maxi Flipper, c'est ça? Non, Torinka, c'est Torinka. Torinka, c'est Torinka, d'accord. Parce que comme il y a une personne qui vient de rejoindre la game, tu veux nous rejoindre ou pas sur Gartic? Eh ben, j'arrive. Ça commence quand? Bah, tout de suite. Et bah, Torinka, c'est Toto le beau. Ah, bah oui. Tu as le lien dans Info Party directement ou directement. Bah, je suis là. Ah, bah, nickel. Ouais, direct. Rapidité. Quelle rapidité. Le streamer n'arrive plus à suivre. Voilà, une communauté trop rapide. Full, plus rapide, moins de tours. Essayez avec des foules de 15 joueurs au plus. Bon, on n'est pas 15 encore, mais si on arrive à avoir du monde ce soir, ouais. Ça nous permettra de le faire. Alors ça peut être cool. On va tester le mode speedrun. Je ne connais pas, hein. C'est des modes qui viennent d'arriver. Je te promets, je sais pas si c'est pas grave, t'inquiète. C'est ça, c'est encore plus drôle. Commencer une histoire.
J'ai une amie qui nous rejoindra aussi après là, le fini sa douche et elle vient. Ah putain, ça me répond. Quand c'est une histoire. Oh là là. Bah, je... Bon, on va essayer de faire un truc. Ah, c'est moi qui décide. À tout le monde. Putain. Waouh! Ouais, je vous préviens d'avance. J'ai le pot de peinture qui a rempli la totalité de la scène en fait. Non, t'inquiète. Mais attends, on n'est pas là pour se moquer. C'est vraiment, voilà, pour, vraiment pour rigoler, pour déconner. Je me suis emmêlée. Si t'as peur qu'on se foute de ta gueule, attends de voir mes dessins. Mais comment tu fais ça? Donc j'ai regardé sur les règles, en fait, les seules écritures qu'on peut mettre, on n'a pas le droit d'écrire de marque, tout ça. Par contre, si c'est pour symboliser quelque chose, par exemple un dialogue ou un truc comme ça, à partir du moment où ça donne pas la réponse, vous pouvez. Hein. Attends, j'ai 10 secondes pour faire ça. J'ai honte, mais non, faut pas avoir honte. Salut à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous, les amis. Soyez les bienvenus. Oui, oui, oui. Sur ce live de la folie, sur ce live du dessin, les futurs gens des beaux-arts sont là, hein, il faut le dire. Je suis vraiment nul en dessin, oh là là. Putain, si mon copain il voit ça, il va me fermer. Qu'est-ce que tu fais? Après, c'est pas simple parce que là, le temps est vachement limité. Ah ouais, trop dur, hein, je peux pas faire. Alors, c'est le désastre. J'ai rien compris au truc, hein, je vous le dis direct. T'inquiète, c'est la première game, y'a pas de soucis. Alors, Bibi FFX s'endort. Alors, elle était pas simple celle-là. Ouais, franchement, j'ai dû mettre Bibi là... parce que j'avais pas. Ouais, ouais, non, t'inquiète. Ouais, bah là, c'est moi que... qui suis cassé du coup. Bibi après ta C'est pas con.
Ah, il y en a qui ont la ref, hein. Ouais, c'est ça. Un homme qui dort en train de regarder un live Twitch. C'est un peu ça. C'est un peu ça samedi. Il y a même des gens qui sont dans le live Twitch et qui s'endorment un petit peu. Alors j'aime bien parce que le gars qui s'endort, il est quand même un peu choqué avec la bouche ouverte, tu sais, genre. Il est en train de regarder. Faire la baffe qui découline, mais comment arriver à définir ce qu'est qu'un scrogneugneux? Je sais pas, moi j'ai un truc vert. Ah ouais. Non mais une dispute de scrogneugneux, je voulais dire en fait une dispute où tout le monde fait scrogneugneux, scrogneugneux. Ah oui, d'accord, bah précise, parce que là les gens ils vont aller sur Google, ils vont taper scrogneugneux, tu vois. Merci pour ton follow, Betsugan et Ginny. Deux chavers qui se battent. Après, ouais, c'est surtout mon copain, tu sais, quand je me dis, il me fait pas scrogneugneux. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Non, mais là, c'est bien, ça faisait le croisement entre Catwoman et Hulk, c'est plutôt cool. Voilà, moi j'ai eu une bataille de crocodile. Bataille de crocodile. Putain, ils ont 5 pattes, ces chats. Pas mal. Oh, putain. Putain, ça va. Un bébé fait le poirier. Oula, ce genre que lui, il est parti en. Ah, classe. Oh là là. Il est parti en cacao, ouais, c'est sûr. Un homme au chap. Mais oui, voilà. Je voulais. Mais non, c'était un bébé qui faisait le poirier, il était beau en plus. Et ça a rempli l'écran. Ah, moi, j'ai vu un truc comme ça, j'ai vu un chapeau rond comme ça. Je me suis dit, c'est un demi-luffy ou je sais pas. Ah ouais, mais moi, mon demi-luffy est le strict. Mais hey, on est là, hein. Ah, on j'ai y est. Le chapeau de paille. c'est j'ai bon. Fait la moitié du chapeau, moi. Un demi-chap. Une tu banane vois. Mange une pomme. Ah ouais, alors moi, j'ai pas eu du tout la même chose, quoi. Moi non plus, hein. Ah, moi non plus. Ah, mais moi j'ai. Voilà, moi, j'ai une banane qui rep. Ah, qui répond au téléphone, je veux dire. Ah oui, non, mais ouais, ça aurait pu. Non, mais totalement. Bah, moi, je vous ai fait une banane qui répond au téléphone. Ah, bah, t'as bien suivi. Je me suis dit, Toto, il est dans cette idée-là. Voilà, une banane au téléphone, voilà, on est. Ah, bah oui, bah. Voilà, je me mets une banane avec Halo. Par contre, moi, j'ai pas fait le mot. Vous avez dû avoir un truc sans mot, je crois. Macron qui chante Arrête de Ménage. Ah ouais, c'est horrible ça. J'ai pas réussi. Ah ouais, alors moi j'ai pas compris ça de suite. Moi pour moi celle de droite elle a un voile, donc c'est un chanteur à un mariage. Non, c'est ses cheveux. Ah d'accord, ok, excuse-moi. Ah ouais, mais moi je fais un voile. Franchement, si Billy dit Macron qui chante. Non. Ah non, je suis dans un mariage. En fait, vous mettez n'importe quelle phrase, c'est ça? Ah, mais t'as réussi à comprendre le mariage avec un simple trait sur les cheveux. Ouais, bah c'est des codes, mais... en fait. C'est des codes. Bon, là, du coup, là, j'avais pas compris, donc j'ai rien mis. Je savais même pas ce qu'il fallait que je mette. Bonsoir, Sonia Kabinov, j'espère que tu vas bien. Et salut, Buguette. J'espère que je n'ai pas écorché ton pseudo. Soyez les bienvenus, prenez un cookie et profitez, rigolez. Vous allez voir, ça va être sympa. Si vous voulez participer, oui, vous pouvez aussi. Là. Ah ouais, alors, mais là, un journaliste qui se bat dans un cimetière. Kiki. C'est... What? Je voulais écrire BFM, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, ça va être un petit peu. J'ai pas compris. Non, mais en fait, je me dis que j'aurais mis BFM. Je pense que ça aurait été Bibi qui aurait répondu. Ils auraient mis la lutte contre les streamers. l'arrivée de BFM sur Twitch. J'ai mis toute mon âme dans ce dessin. Waouh. Il chante une chanson à Hulk. Bryce de Nice interview Hulk. Mais pourquoi? Franchement. Je sais pas, j'ai vu Bryce Nice. Pourquoi tant de haine? Alors. Oui, Buguette va nous rejoindre du coup. Eh oui, tout à fait, ça va bien. Et toi? Mais ça va bien, j'ai pas de cookies, mais t'inquiète pas, j'en préparerai la prochaine fois. Donc, Sonia, si tu veux nous rejoindre, tu peux. Oui, Buguette qui nous rejoint, tu as le lien dans le live, je peux même te le remettre parce que je suis quelqu'un de très gentil. Voilà, vous avez le Discord, si vous faites point d'exclamation Discord, et là, voilà, quand il y a tout compris, voilà, il y a pas... c'est parfait. Et d'Afrid a tout compris. Voilà, ou pas. On va repartir sur un mode normal, voilà, ça c'était un petit peu le délire, oui. C'est en début de soirée, tu vois, c'est rigolo, on s'est tous plantés, c'était rigolo. On va repartir sur un mode normal. Il y en a qui connaissent pas le jeu ou pas? Torinka, tu connais ou pas plus que ça? Non, je connais pas du tout. En fait, si tu veux, donc le concept, c'est un peu comme le téléphone arabe. C'est-à-dire que quelqu'un va dessiner un dessin. Donc au début, on va tous balancer une phrase. Ça peut être, je sais pas, un jambon discute avec une pomme. Ça peut être, je sais pas, tout ce qui te passe par la tête. Dans une mesure où c'est réalisable et dessinable rapidement. Et à côté, donc,
tout le monde va mettre une phrase. Toi, tu vas devoir dessiner la phrase d'un autre. Ensuite, tu vas devoir deviner le dessin d'une autre personne, savoir ce que c'est. Et l'autre personne derrière va devoir redessiner ce que tu as deviné. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, donc ça donne des trucs assez cocasses. Hein. À la fin, on est tombé sur des games. Bibi peut en témoigner, qui était, c'était pas du tout ce qu'il y avait au début. Donc c'est ça qui est rigolo. Donc voilà, ça aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas d'ordi. Alors tu peux jouer sur téléphone. Tu peux jouer sur téléphone, Sonia. Gartic Phone, le lien marche sur téléphone. Oh, mais ça doit être horrible sur téléphone. On a... Oui, je confirme, parce qu'avec Sonia, on y a déjà joué ensemble et sur téléphone, c'est pas facile. Il y a pas mal de gens qui jouent sur téléphone et qui font des trucs formidables. Hein, donc. Ok, donc qui nous rejoint du coup ? Alors, oui, Buguette, normalement. Alors, peut-être qu'on entendra le chat, peut-être pas. Je préfère prévenir. Bien les chats ! Après, je pense que sur téléphone avec un stylet, je m'en sortirais mieux qu'au clavier. Ah oui, c'est fabuleux. Oui, c'est Buguette, sûr. Si tu veux nous rejoindre sur Discord, il te suffit d'aller dans un channel comme Vocal Général ou Taverne et moi je te switch. Voilà. Alors, je vais regarder si j'ai d'autres personnes intéressées. Alors attends, bon bah alors Istos peut pas parce qu'il est en raid sur WoW ce soir, et il est au taquet, il a repris Shadowland, il est au taquet. Ah là les raids. Ah bah surtout Istos, Istos WoW. Salut, oui, c'est quoi Buguette ton jeu? Oui, Buguette est dans Vocal Général. Ok, nice. Et salut à toi, oui Buguette, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va et toi? Ça va, mais bien, merci pour ton follow, Examen Dave, merci. Tu connais le jeu du coup, pas de soucis? Ouais. Eh ben, Bonsoir. Ok, donc dès que t'as rejoint, tu me dis. Alors, j'arrive. Yes, pas de soucis. Hop. Ouais, je dessine pas de ouf, alors c'est pire et je veux pas de Discord ce soir non plus. Non, mais y'a pas de soucis. Bah écoute, profite, rigole et je pense que ça devrait être assez. Allonge-toi. Hop. Allonge-toi, je vois rien. C'est parti. Allez, alors. Oh mon dieu, je suis désolé. Je m'excuse par avance. Je ne peux que m'excuser par avance là pour le coup. Il nous a décrit toute l'histoire d'Harry Potter en une phrase. Non, pire. Elle peut. Oh non. What the fuck? Ah non! Faut oh là là! Et Bébert, clavier. Que toi. Oui, bon, clavier, t'es pas beaucoup bien... aidé. Enfin, oui, non, clavier souris, pardon, mais t'es beaucoup aidé. Hein. Merde, il y a une gomme là-dedans. Si, c'est le clavier. Attends, on sait jamais. C'est pas facile, hein. Non. Oh là là. Je rappelle que si vous n'avez pas du tout d'idée sur comment ça se dessine, vous pouvez aller voir sur Google, il hein. N'y a pas de souci. Oh, ah voilà, j'ai dessiné, mais alors je peux pas faire mieux. Oh, quel enfer. Aidez-moi. Aidez-moi. Le pauvre Maxi Flipper qui est à la recherche de soutien, là. Il est à la recherche de soutien, le pauvre. Cette phrase. Ouais, je pense, ouais. Je pense, vraiment. Je pense que cette phrase... Ouais. Elle est ciblée, on sait de qui elle vient. Non. Oh là, ça va être compliqué avec le chat. Oh, j'ai... Allez.
fuck. Ah, je suppose que c'est un drapeau, mais ouais. Je connais pas ça. C'est le drapeau de mes origines. Attention, hein. Désolé, mais je veux pas savoir. Moi, je sais. Ah, comment il s'appelle? Mais Guigui, j'ai plus le temps. Ce serait la moitié de phrase. Y'a pas un truc pour dupliquer Non. Je crois pas, non. Je connais la musique d'ailleurs. De quoi? Je connais la musique. Oh oui, c'est des musiques libres de droit, hein. De toute façon. On a plus trop le choix, hein, sur. Ah là là, ça y est. Le chat qui essaie de manger la... le curseur. Encore heureux qu'elle est mignonne. Tiens, ça ressemble à rien. Ah là, ils ont eu des phrases compliquées, je pense. Ensuite déjà. Vous êtes pas prêt, on peut rejoindre, mais salut à toi Westloyd, comment vas-tu l'ami? J'espère que tu vas bien, bien sûr que tu peux rejoindre, je te mets le lien directement. Hop. Oh, il est trop beau. Par contre attention les gens, hein, pas de trucs ostentatoires ou autre, hein, je compte un petit peu sur votre respect et sur votre éthique pour les dessins et pour les phrases aussi pour le coup. Ma phrase j'ai pas pu la finir. Du coup ça donne une moitié de phrase. Oh non. Oh, c'est quoi ça? Mais qui c'est qui a sorti ça? Mais qui... What? Oh. Oh putain. J'ai tellement pas les assourir. Oui, grave, c'est...
Salut à toi, Oxy. Comment vas-tu? Comment vas-tu, copain? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live, les amis, à ceux qui nous rejoignent pour ce Gartic Phone du Turfu. Attends, on va peut-être un petit peu pouvoir améliorer. Voilà, mon dessin est ignoble. Mais oui, Macron est un petit peu la star de ce Gartic Phone. Avec le fait que tu dis ça, ça veut dire que quelqu'un a réussi à deviner ce que j'avais dessiné. Chapeau à lui. Hein. Surtout moi aussi. Ah ouais, sérieux? Putain, c'est chaud. Ouais, enfin, redessiner derrière, par contre, c'est galère, parce que je pense que c'est pas le truc de l'initial. Mais c'est fort. C'est très fort. Bon, en tout cas, ah, n'hésitez pas. C'est le truc initial, on verra bien. Putain, c'est quoi ça? En tout cas, n'hésitez pas à follow, à partager le live si ça vous plaît. Voilà, ça nous aide aussi à développer tout ça. Ok. D'accord, donc vous avez répondu au sondage. Ok. Bon, bah, ça sera la prochaine. Après, le fait est qu'il y a autant de Macron prouve qu'il a réussi son pari. Hein. Ah oui, il est sur Internet, même sur Gartic Phone. Ouais, la break d'Internet. C'est ça. Merveilleux. Bah moi, il m'a pas encore appelé pour faire une vidéo YouTube, donc bon. Il est dans les campagnes pour tout. Je suis pas assez intéressant pour lui, tu vois, c'est... Passé de voir. Oh, oui, oui. Oh là là, mais toi aussi, regarde la phrase. Oh là là. Et là... Que je voulais mettre la Star Academy à la base. 4 stars. Oh d'accord, ok. Oh, ok. Franchement, est-ce qu'il y en a un qui arrive à retrouver derrière, ce serait... hilarant. Parce que c'est des fois sur ce jeu, à beaucoup, on est parti d'un dessin où c'est devenu n'importe quoi et on est revenu sur l'idée générale. Des nettoies de jeu. C'est arrivé qu'une fois sur 40 000. Ouais, c'est ça, mais c'est pas mal. C'est trop mignon. Bravo, j'adore. Te dénettoie l'opinion. Une étoile kawaii. Oui, il est temps d'en faire une. Ah bah oui, elle était belle. Un chat devant l'écran. Ah, on est resté sur l'idée générale. On est un peu plus pointu. Franchement, il était beau, mon chat. Je me suis inspiré de mon chat voilà. Qui est devant mon écran pour le coup. Petite astuce. Ouais, parce que voilà, ouais, des bonhommes et tout. Mais ouais, wow, il est super le chat. Franchement, GG. Petite astuce, quand vous avez un truc comme ça, dessinez juste une télé, mettez rien dessus. Parce que sinon, ça induit en fait. Les gens vont se focaliser sur ce qui se passe sur la télé. Ouais, parce qu'il y a trop de. Ah, mais c'est rigolo. Ouais, c'est marrant, oui, bien sûr. Ça est loin. Ah oui, bah là, oui. Voilà, mais on est resté sur un chat devant l'écran. Hein. C'est merveilleux. C'est ça. Ouais. Ah, t'as été un salaud. Hein. J'ai dû puiser dans mes souvenirs quand même. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Oui, dans ce taxi. Eh, mais oui, parce que oui, c'est. Ah, mais c'est un taxi, c'est vrai. C'était un taxi. Regarde comme il est beau, je savais que c'était toi, Orion. Oh, mais en fait, c'est un taxi, une place, du coup, il peut emmener personne. C'est ça. Tu viens de casser la jeunesse, vrai, en fait, de tout le monde. C'est vrai que oui, c'était une place. Brigitte! Brigitte, tu nous as menti. La prochaine fois que je l'ai en conversation, je lui poserai la question, je lui demanderai si oui avait une deuxième place. Vas-y oui. Voilà. Vas-y oui. Oui. Oula, j'ai pas eu ça du tout. Alors, d'ailleurs Brigitte, on te fait de gros bisous si un jour tu passes par là. Oh là là. Toby, ah, Toby a pris cher en ça se voit, il ressemble de fou. Je sais. Toby qui mange. Mec, à quel moment? Alors voilà, on va faire une pause là. Toto. J'ai voulu modifier, mais c'était trop tard. Alors, à quel moment tu fais un hobbit? À quel moment? Non, mais c'est ça. Je me suis dit, mais c'est pas un hobbit. C'est Gollum. C'est pas un... À la limite, Gollum. Mais si Bilbon Sacquet avait cette tronche-là, je pense qu'il y aurait du trauma hein, quand même, hein, je te le dis. Pourquoi ça met pas mon dessin? C'est moi si, ou non? Non, c'est moi, je clique en fait. Débat. Miam. Ah oui, bah alors là, on est carrément dans... Voilà. Ah non, moi, j'ai fait... Hé, regarde. Waouh! Wow ouais, alors là, ça sent soit le stylet, soit la tablette. Non, souris. Ah bah putain. Oui, mais elle est concept artiste, donc c'est pour ça que j'ai dit la souris. Ok. Tablette, c'est encore mieux. Ah oui, bah j'espère quand même. Non, mais moi, j'essaie de simplifier au max parce que sinon. Eh.
J'ai eu l'idée. Putain, quand vous allez voir, mais en fait, je crois qu'on a eu la même idée avec Ikilia. Mais vraiment. Bah oui. On a tous eu les mêmes idées. C'est... Eh, je suis sûr que celui-là. Voilà. Celui-là, il est resté, je pense. Je confirme. Je pas mal. Oh, GG! Eh bien, tu vois, voilà, Manu, tu es la star de Gartic Phone de ce soir. Bravo, bravo à toi. Voilà. Le truc, c'est qu'on a mis tous une phrase différente, c'est ça le pire. Ah, celui-là aussi, je pense qu'il est peut-être resté, en fait. Parce que moi, de mon côté, il est resté. Une banane va manger un... Ouais, ça va. C'est pareil. Ah oui, là, je pense qu'on va partir sur le koala, là. Ouais. Ah, tiens, voilà. Il a des grosses oreilles. Ah, les oreilles longues. Eh, franchement, non, on revient sur un singe. C'est plus encore. Wow. Ah ouais, alors ça, alors tu vois, Bibi, tu peux dire deux fois. Voilà. J'ai remis sur le droit chemin. Une banane qui mange un singe, une banane qui mange un singe. Voilà. Tu triches pas, oh, hein, trichez pas avec le live, hein, du coup. Hein. C'est parti en vrille. Ouais, totalement, ouais, c'est. Suzanne Boyle. Qui déteste. Fait la course avec un tiré. Non, Usain Bolt, c'est Usain Bolt. Ah, pardon. Wow, j'ai vu Usain Bolt. C'est ça, moi, voilà. C'est quoi ça? Je crois que je l'ai pas vu celui-là. Ah, ouais, j'ai pas le temps de. À quel moment c'est un signe religieux, ça? C'est le drapeau de la Jamaïque. Non, mais en fait, je le connaissais quoi? La croix jaune, en fait. Non mais je connaissais pas le drapeau et je voulais mettre une personne de religion que je connais pas qui monte un dinosaure, mais du coup, j'ai plutôt pas. Wow! Après être en cérémonie. On a quand même fait du chemin entre Usain Bolt qui fait la course avec un T-Rex et un prêtre en cérémonie quand même. Là c'était magique. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous rejoindre sur le chat? J'ai vu T-Rex, je savais que c'était toi, bébé. Tu veux venir tout le obligé. Chat. Sur le chat. N'hésitez pas, même si c'est du dessin tablette, allez, on s'en fout. Ah, là, en plus, j'en ai un bon là. Eh bah, non, mais en fait, il veut jouer mon copain, du coup, bah. Eh bah, il vient. Oui, mais il veut jouer un vrai jeu, entre guillemets. Mais c'est un vrai jeu, c'est voyons. Un vrai jeu. C'est un vrai jeu. Et je peux dire qu'on se tape plus, des fois plus de barres sur ce jeu que d'autres jeux. Bon, si quelqu'un veut rejoindre, du coup, sur le chat, n'hésitez pas. Je vous remets le lien dans le chat directement. Hop, n'hésitez Attends. Pas. Après, là, en ce moment, il est sur. Il s'est pris Cyberpunk. Merci à toi, je suis follow à ta chaîne au passage. Merci, copain. Et je m'en vais pour pas voir ce que tu fais. Ça serait... Alors, secret. Full. Vous voulez faire quoi comme mode, du coup? On a le choix entre normal, lève le pied, secret, speedrun, imitation, sandwich et full. Full, on peut pas le faire. Imitation, l'a fait tout à l'heure, mon dieu. Ah ouais. Merci pour ton follow, Witabine, en fait. Bienvenue. Lève le pied, on peut le faire, hein, c'est rigolo. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, lève le pied. Ah, la foule, ouais, non, mais la foule, il faut être 15. C'est quoi, lève le pied? En gros, c'est dès que quelqu'un finit, le compteur se lance. Mais si personne m'est terminé, ça peut durer. Donc on a le temps. Sauf s'il y en a un qui aime bien foutre la merde. C'est ça. Sachez. Faut pas qu'il y en a qui a envie de faire tous les détails, quoi. C'est ça. Secret, c'est assez fun. Ouais, on va le faire après, je pense. Ouais. C'est vrai qu'il y a des modes comme ça qui sont vraiment fun, pour le coup. Oh, oh purée, non. C'est quoi ça? Je me souviens déjà plus de la phrase que j'ai mis. Allez. Oh, j'ai genre... Pour faire des dessins, les imaginer et tout, je suis nul. Pour recopier des dessins, je suis forte, mais que sur papier. Bah, alors les faire. Oh, faire juste une phrase là, c'est chaud, hein. Surtout la souris.
Ah bah c'est... Oui, c'est compliqué. Moi, j'ai plus l'habitude de ma tablette que... Moi, j'arrive pas à la tablette. Écoutez, si mon dessin dure 4 jours, c'est normal. Et de s'appliquer là, du coup. Bah, vous avez un peu plus de temps, donc ça vous permet de vraiment de plus vous appliquer sur ce genre de dessin. Ouais, si on peut dire que c'est de l'application, si tu veux, mais... Et si t'es tombé sur le mien, oui, fais pas tout, fais un raccourci. Hein. je sais pas comment je fais un raccourci, c'est bien ça le problème. Fais un raccourci si tu tombes sur le mien, sinon... J'en mets une indication... Ouais, je vais essayer. Ah, ça parle de cyberpunk à côté. On a le droit de faire des mathématiques, du moins que ça. Des quoi? On a le droit de mettre des mathématiques ou pas? Oui, tu peux. Il veut nous faire un théorème et tout. Voilà. Non. Ouais, quand même. Tiens, comme les dons Twitch en fait. Mon dessin est parti dans un délire. Bah c'est souvent le cas. Hein. c'est ça qui est rigolo. Si on entend mon copain parler de Kofi, c'est normal. Hein. Toutou, tu parles d'argent. On entend tout. Tu parles de thunes. Ouais. Avec son super donateur anonyme. T'as été inventif, Bibi. Hein? Je dis, t'as été inventif. Pourquoi? Parce que Doudou vient de me dire qu'il avait reçu son truc là sur le Ko-fi et que la phrase c'était. Je m'absente. C'est quoi? J'arrive. Ah oui, vivre c'est pour vous. Ouais, mais il savait que c'était toi. Tu l'as pas berné. En même temps, c'est la phrase de Bibi donc. Ah bah oui, c'est pour ça. Moi, j'étais sûr que tu. Bon, j'ai réussi ton challenge, je crois. Ouais, re... Alors... C'est voilà. Quoi, ça? Oh putain, je suis tombé sur un dessin, c'est... Je pense qu'un jour, je ferai un Gartic Phone où je ferai venir des gros illustrateurs. Ça peut être rigolo. Ça peut être marrant d'inviter JBX un jour, par exemple, celui qui dessine sur reflet d'acide. Tout ça, ça peut être... Et tu le ferais dessiner à la souris aussi? Oui. Oui, mais il va nous cramer. Hein. Oh non. Non. Ah, c'est quoi ça? Ouais.
Moi, je trouve que mes dessins, ils sont plus récits dans ma tête que que dans le jeu, quoi. Ah ouais, bah là... C'est déjà ça. Ouais. Merci. Jamais j'arrive à le faire et que je le fais et que... Merci pour ton follow, Tismade. Bienvenue. Mon copain il est devant mon dessin. Il fait une tronche. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle folie. Il fait une tête en mode qu'est-ce qu'elle a fait encore. Quel est donc ce bug? J'ai massacré quoi. Et nous sommes actuellement 1770 followers sur la chaîne. Je vous invite donc à partager le live. On claque les 1800 ce soir. C'est parti les amis. On aurait dit une annonce de manège à la fête foraine. T'as vu? Ah. Ah bah merci. Let's go. Bonjour, bienvenue, c'est parti, on attrape la queue du singe, c'est parti. C'est magnifique. On attrape le pompon, allez. Un pompon acheté, un pompon. Un pompon offert. Attrape le pompon et tu gagnes un tour. Chope le pompon avant que le pompon vous ait chopé. D'accord. Okay. Oh oui, c'était une musique qui voilà. Passait. On l'a perdu là. Non, non, c'était en rattrapage pour Star Academy Wish. Voilà. Ah, bah là. Bref. Par contre, celui qui va tomber sur mon dessin. Ah ouais. Ah ouais, bonne chance. Bon, je pense qu'on reconnaît le personnage, par contre, ce qu'il fait. Mon Dieu. J'ai une petite idée. Il y en a un qui a bugué là, non? Ah, désolé, je suis en train d'essayer de faire un truc. Ah non, t'inquiète, non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. T'excuse pas, il n'y a pas de... Mais c'est bon. Bah ouais. Pas de quoi. N'en doute pas. Ah là là là. Non, c'est vraiment rigolo comme jeu. Des fois, t'as des trucs, c'est... C'est vraiment fanda. Non, c'est excellent. Ouais, c'est exceptionnel. Bah, dans ouais. Le même... Enfin, c'est pas vraiment le même délire. Tu as le jeu où tu dois deviner des dialogues d'extraits de films. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve. Je retrouve ça. Faudrait qu'on s'en fasse un aussi. Ouais. Deviner des slogans, des trucs comme ça. C'est assez fun. Et attention, le timer est lancé. Le timer est lancé. Vous n'avez plus que... 20 secondes, à peu près. Oh là là, mon dessin. Oh, un carnage. Je vais rajouter des détails, c'est un carnage. Putain, rajoute piercé, quoi. Oh, ouais, mais c'est ça le problème. On essaye d'arranger, mais en fait, non. What? Hein? J'ai pas du tout le nom du personnage. Ah, t'es tombé sur mon truc. Non, j'ai pas le nom. Pas de chance. Ah, y a des trucs des fois, tu te dis bon. Bah, après, c'est pareil ça. Mais j'ai merci pas merci pour ton phono, Annie Belfini. Bienvenue, bienvenue. Putain, mais c'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Faire de la perspective à la souris, c'est... Ah, moi j'en fais pas, hein.
Moi, je fais le minimum, hein, parce que faire de la perspective à souris, c'est galère. Moi, je me suis mis comme objectif de faire le moins de détails possible et qu'il soit quand même reconnaissable. Bah, des fois, c'est mieux, hein. Ouais, parfois. Parce que quand t'en mets trop, les gens réfléchissent trop et au final, ça donne pas du tout ce que t'as voulu dire. Oh, celui qui va deviner. Mais oui, ça va le faire, t'inquiète. On y croit. Surtout que mon truc il fait berp. Et tu peux faire un retour. Ah cool, je sais pas. Help mon dessin. Elle est où la Fifi? Elle est là. Oh la Fifi! Oh elle est câlin! Oh! Oh elle est quoi qu'elle est la Fifi? Oh dis donc, mais. Vous dessinez quoi? Bon, faites des détails de fou! Ah, c'est bon. Ouais, mais... Merde. T'as vu, j'étais en train de m'appliquer à fond. Quand tu vas voir le résultat final, tu vas dire 1h30 pour ça. Pour un point. Ouais, grave. Grave. Faire un point, oui, mais le point, il est parfait. Alors, j'ai réussi à claquer une ref à Square Enix dedans quand même. Hein. Oh. Ça me fait penser qu'il faut que je finisse plein de choses sur FF14 aussi. Waouh. Voilà. Quoi? Ah, j'ai eu ton dessin, Vivi. Il a vu Mario? Ouais. Ouais, apparemment aux dernières nouvelles, ouais. Il faut avoir la ref du groupe. Ouais, enfin non, c'était pas... Si tu regardais bien le titre, oui, il faut avoir la ref, oui, bien sûr. Ok, c'est parti. Alors... Je sens qu'on va rigoler. Alors, j'imagine les gens qui ont été voir à quoi ressemblait une otari. Parce que bon... Coupable. Coupable. Bah ouais, mais non, regarde. Ouais, c'est classe. C'est classe. Waouh, GG. Bah oui. Ouais. Simple mais efficace. Alors là, là, ton otari, elle est là, elle a dit vas-y, prends-moi. Prends-moi en photo. Je rajoute en photo parce que bon, on sait jamais, ça peut déraper. Ah, ah moi j'ai trouvé un morceau. Il a pas de j'ai défense. J'ai tapé otari en 2D et j'ai pris le premier dessin. Ah bah oui. Ah. Et on peut c'est revenir, très, hein. Très simple. Ah, on passe du morse au phoque, on va peut-être revenir sur l'otari. Non, bah non. Non, sur un phoque.
Un immeuble de 1000 étages. Wow. Merci, je te remercie. Ah ouais. C'est pour ça que j'hésite de faire des raccourcis. Un code barre. Ah ouais, d'accord. Alors d'accord, je vois le dessin de Bibi. Maintenant je vois. Ah, t'as la porte en bas, t'as la porte. Ah mais t'as dû te faire chier de ouf en fait pour faire les points. Ouais, j'en ai eu marre. Code barre, je fléchette. Je comprends le dessin de Bibi maintenant. Code barre. Tu t'es code barre joue aux fléchettes. On partait d'un immeuble de 1000 étages quand même à la base. Pourquoi dans le 1000? Ah, tu voulais dire ouais avec l'exercice. Oh, pourquoi j'ai mis dans le 1000? Parce que 1000 étages. Ouais, parce que 1000 étages, j'utilise un raccourci. Avec Bibi, si on fait un Gartic-Phone spécial jeu vidéo. Faudrait qu'on en fasse un, tiens, un Gartic-Phone spécial jeu vidéo, ça pourrait être cool. Faire des thématiques. Ouais, on va voir ça à partir de la semaine prochaine, ça peut être cool. Oh putain, je me suis amusé. Ah bah je comprends mieux. Assiette. Oh putain. Va tirer son petit poids. Il est énorme. Il est juste ouf. Il est énorme le dessin. petit poids, il est en mode moi s'arrêter. Alors bon, je suis désolé hein. Je suis désolé moi. J'ai vu des trucs rouges. J'ai pensé à Raffaello. Voilà. J'ai mis un combat de Tortue Ninja Nen. Oh waouh. Wow, classe. Mais moi j'ai pas trouvé ça moi. Ah ouais. Ouais bah remarque. Je vais faire la suite. Bon on doit pas être. Ouais. On doit visuellement on doit pas être très loin de Juju Fit Cats au réveil donc ça va, ça passe. Quoi. C'est vrai. Arrêtez. Voilà, je rigole. Ouais. Ah non, c'est pas. Est-ce que ça va être ça? Regarde comme il est beau. Ah non mais ça va. Ah c'est ça Rick, moi je connaissais pas. Oh, Rick tu connais pas Rick et Morty? Eh, on est deux maintenant. Bon. Ah, attends, moi je t'ai fait Walking Dead. Ah, j'y ai pensé, je me suis dit, il y en a un qui va être. Ah ouais, moi j'ai pas eu le temps, moi j'ai pas eu le temps d'écrire. Ah, Walking, voilà, tu vas avoir un homme qui marche. Marcher en anglais. Alors oui, non, évitez d'écrire trop de trucs en fait. Voilà, vous pouvez mettre des dialogues, vous voyez, mettre bar, nom d'un groupe, burp, enfin des onomatopées, tout ça. À la base, je voulais mettre Walking Dead aux toilettes, parce que je voulais chercher le nom, mais le truc s'est mis trop vite. Ouais, c'était il est où, Rick? Attends, j'avais pas la réponse. Jongleur. Ah ouais, alors moi j'ai pas vu ça, moi j'ai cru que c'était une boule de cristal en dessous, hein. Alors c'est parti super. Mais en fait le truc jaune avec les petites étoiles, c'est ouais. Ouais mais j'ai pas fait gaffe sur le coup, j'ai voulu faire un ballon de cirque, tu sais, genre il était sur un ballon et genre il jonglait et il était en mode putain, faut que je fasse tout. Sangoku, il abuse. Ouais, il abusait du fond de teint quand même un petit peu pour le coup. Mais il est très bien. À chaque fois que ça arrive à moi, c'est bizarre. Super Saiyan. Hey, GG, on est quand même revenu au deuxième idée. Un livre qui s'ouvre sur le monde. C'est pas mal. C'est joli. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, alors, une rampe géante. Qu'est-ce que tu veux dessiner ça? On va voir simplement. Hein, c'est... je crois que c'était les rampes, tu sais, de skate, genre qui. Ouais, bah une rampe, oui, c'était le seul truc. Bah en fait, je me suis dit, si je fais une rampe, par exemple, d'escalier, est-ce que les gens vont piger tout ça? Voilà. Voilà, tu vois. Oh, tu t'es fait chier sur la perspective là, quand même. C'est ce que je disais. Je sens le CTRL, le CTRLZ plusieurs fois. Merde, la marche, elle est trop haute. Rien à voir. Ah ouais, alors, j'ai eu ça. Ah ouais, alors moi, c'est pas du tout ce que j'ai eu après. Exceptionnel. GG. Un bon dessin, ça va être une catastrophe. GG. Soyez souillés. Oh la chica. Ouais, mais je suis sûr que c'est resté. Mais ouais, moi je tiens Mario en concert en Espagne, donc bah, t'es obligé de faire un truc. Oh, mais pas mal. Si. Alors est-ce qu'il y a la rêve? Ah, Mario en concert. En mode, les gens ils donnent des billets et tout. Hey. C'était pas mal. Franchement, on va rester sur ce mode-là. Je pense que c'est vraiment vachement cool. Attendez, faut que je quitte et que je revienne parce que le truc a bugué. Ouais, pas de soucis. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Mais si vous dessinez avec deux mains gauches, c'est pas un problème. Voilà. Je suis plus cher. Mais moi aussi. Moi aussi. Ah. J'arrive, j'ai besoin de 10 minutes. Moi aussi. Mais j'ai la souris de la main droite, par contre. Tu vois. Oui, non, mais ça, moi aussi. La souris, c'est la main droite. On ne devait pas dessiner avec ses pieds à la base.
Si tu veux, mais à la tablette. Mais par contre. Ouais. J'ai jamais essayé, je t'avouerai. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais dessiner la tablette avec mon pied. Pourquoi le pas Le truc, c'est que c'est sûr, il y a un mec qui dessine trop bien avec son pied, en fait. Ah, j'en connaissais un en école d'art qui lui manquait un bras. Et c'est pas des conneries, c'est une vraie histoire. Et en fait, il avait développé justement de dessiner avec son pied, juste pour le délire, comme ça. Et en fait, le mec te faisait des trucs de malade. Il te faisait de la peinture à l'huile au pied. Et oh, tu l'entends après, Ah ouais, non, mais c'est insane, en fait. Bon. Après aussi, ouais, il y a eu des petites vidéos, tu sais, que j'avais vu passer, tu sais, sur YouTube ou ailleurs, tu sais, genre de mecs, genre ils prennent qui nous a quitté 10 secondes. Alors il y a quelqu'un qui nous a quitté, je crois. Ah. Ça doit être Maxi Flipper, il a peut-être bugué, je pense. Mais il a dit qu'il arrivait dans une minute. Ah d'accord. Ok. Non mais c'est vraiment cool. Bon après c'est vrai que bon, c'est sûr que si Oui Buguette et moi on commence à prendre la tablette, là c'est plus jouable. C'est mort. Mais au moins ça fera deux bonnes personnes qui dessinent bien, tu vois. Ouais. J'ai la mienne prête aussi, hein. Moi j'ai juste à switcher la fenêtre. Ok bon. Maxi Flipper, écoute, à très bientôt, n'hésite pas à repasser sur le live, tu as le planning sur Discord, sur annonce planning, n'hésite pas. Et c'est reparti. Ouais, moi j'ai arrêté le dessin et... Je sais même pas dessiner de base alors. Là. Alors. Est-ce que vous aussi vous regardez la pièce où vous êtes en la recherche d'idées? Exactement. Non, j'étais en train de regarder ma femme à quatre pattes qui cherche sa souris là. Ça sera le titre du live. Ça sera le titre du best-of, voilà. La femme à Bibi à quatre pattes recherche la souris. Voilà, c'est... Oh, c'est salaud, ça. Ah, moi, je pense que j'ai ta phrase, Orion. Hein. Je sais pas pourquoi, hein. Mon petit doigt me dit que c'est toi qui as écrit ça. Je crois que j'ai une phrase, comment dire... Oui, très facile. Je pense que si tu dis ça, c'était cadeau. C'est cool que tu sois tombé dessus. Comment tu veux faire ça? Il y a des gens, ils font des trucs bizarres. C'est malaisant ce que j'ai eu, je tiens à le dire. Moi aussi. Ah, toi aussi? Non, mais moi, c'est vraiment très très malaisant. Par contre, il devrait rajouter peut-être un d'autres couleurs. Garty. Ouais. Alors tu cliques sur le grand carré, le grand rectangle. Ah mince. Ah bien mince, vu. Non. Oh GG. Oui. Fabuleux. C'est vrai. Je dois penser à Bibi. C'est fabuleux. Je dois penser à Bibi. Non, tu peux y aller. Je me débrouille. Non, mais j'avais fait de la couleur rouge. C'est pas grave, j'ai filtre sur l'écran. Ouais, mais j'ai changé la couleur comme ça au moins. Oh, j'ai bébé ça. Oh.
Oh mon dieu, quelle horreur. Ouais, carrément, carrément, Luna. Luna, t'es la bienvenue, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, t'as retrouvé ta souris, donc tout va bien. Voilà. Et vous êtes 33 sur le live, c'est magnifique. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent. Oh, un nouveau follower vient de rejoindre la communauté. Merci à toi, Idle Wallis, pour ton follow. Bienvenue. N'hésitez pas à parler sur le chat, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de timides. Oh, ce dessin de ouf. Oh là là. Je sais pas comment tu fais pour gérer comme ça la souris, moi je galère. Hein. Tu sais tout de suite si ça rien. Oui, oui, baguette en fait. T'es sûr et certain. Ah ouais, non mais de ouf, non mais toi c'est signé. Hein. En plus, c'est vrai qu'elle a une signature. Ouais, grave, elle fait beaucoup d'ombrage. Très prononcée. Beaucoup d'ombrage. Donc, c'est parce qu'elle sait les faire. Ah ouais, moi je te les fais, mais à la tablette, à la souris. Vous aimez beaucoup certains animaux dans le jeu. Je pense que, ouais, je pense qu'il y a effectivement... Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Lolo, oh, c'est un carnage. Oh, ça ressemble à rien. Je pense que j'arrête après ça. Ok. Faudrait que je retourne sur FF14, j'ai pas fini. J'ai pas fini mes petits trucs. C'est pour ça que sur le Discord d'ailleurs, vous pouvez rien mettre. Je joue qu'à FF14 en ce moment. Mmh. Et du coup, il n'y avait pas FF14, donc... Faut le rajouter, non? Bah... Comme tu veux, me le rajoute pas que pour moi. Je me sentirais trop privilégié. Tiens, faire un petit Val de Rome. En plus, je suis tombée dessus. Hein. Je suis en train de faire un animal et normalement, Jade devrait reconnaître le chara-design. On va voir. Parce que c'est moi qui l'ai fait le chara-design. N'empêche, Bibi, il y a un event pour gagner des mémo quartz, les mémo mog, et il faut faire Val de Rome pour en avoir. Toi, il te rend. Il te rend d'honneur. Faut rien dire. Ah oui, 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 peut-être, oui. C'est peut-être ça. Bon, c'est pas grave. Ah, ça fait drink. Oui, c'est vrai. Oui, c'est exactement, c'est l'inverse, oui. Bon, c'est pas grave. On reconnaît un petit peu. Vite fait, en plissant les yeux de loin. Non, 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 je me suis gouré sur un détail à la con. Mais... Ah bah GG. On comprend l'idée, je pense, oui. Je pense que l'idée est comprise. J'en ai pas à la maison, donc c'est compliqué de... Oh bah là, c'est quoi. Ouais, je dois le comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il n'y a pas la ref.
Merde, c'est qui ça? Ouais, pas mal. Je suis un dessin. Pas mal. Ok, Luna, à tout de suite. J'ai absolument pas la rêve du dessin, du coup, désolé si c'est pas du tout ça. Pareil, un tout à l'heure, pareil. Waouh. Mais. Est-ce que je triche? J'ai un moyen de tricher intelligemment et drôlement. Salut. Ah mais je sais pas ça. Oh c'est chaud. Oh c'est Crab Rave, j'ai reconnu ça. C'est horrible ce que je dessine. Ouais, c'est chaud. Putain, j'ai envie de chanter ça. Le clip de Crab Rave, il est énorme. C'est des... Il est trop bien fait en plus. C'est des crabes en 3D sur une plage. Ah oui, oui, ouais, j'ai vu. Ouais, non, là, c'est ouf ce qu'ils ont fait. C'est ouf. Il y a un boulot de malade, on se rend pas compte, mais. Moi, je suis là-dedans. Je suis en dernière année d'études d'animation et tout. Et du coup, c'est trop bien de voir des trucs comme ça. Ouais, grave. C'est là que je me rends compte que je suis bloquée dans mes études. Cool. Pourquoi? Parce que je sais pas vraiment ce que je veux faire et le seul truc que je voudrais faire, je comprends pas. Donc. Ah merde. Ouais, bah ouais. C'est sûr, ça aide pas. Toujours le codage? Bah ouais, je regarde plein de trucs, j'ai beau regarder des vidéos et tout, je comprends. En fait, c'est pas expliqué. En fait, le plus dur, c'est la logique. Bah, la logique, je la comprends, mais moi, ce que j'aime bien, c'est savoir tout de A à Z. C'est pas possible. Tu sais de quoi? C'est un langage après, donc c'est pas. Tu fais. Parce que tu vois, par exemple, si tu me dis pour écrire une phrase, tu mets ça, ben ouais, mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu mets ça, et ça peut expliquer. En fait, faut pas te poser la question. Tu fais des études de quoi? Je fais pas d'études là pour l'instant, mais je voudrais en faire, mais. De toute façon, je sens que ça va être biaisé vu que je trouverai pas d'entreprise de toute façon. Mais c'est dans quoi? Ils prennent souvent que des masters ou ceux qui. Pour faire quoi déjà? Des jeux, non? Ouais, des jeux, je voulais apprendre le C et le C+, et le C Sharp. Ouais. Déjà, j'arrive pas à faire le C. Ouais, non, ce personnage, c'est un personnage de Pixar. Mais j'étais pas prêt pour ça en fait, parce que j'ai pigé à la fin. T'inquiète pas, c'est pas mal. Un bon personnage. Excellent. Oh oui, mais t'as donné la réponse. Oh mon dieu, j'ai honte, je suis désolé, j'ai jamais joué à jeu, parce que j'aime pas... Quoi? Tu n'aimes pas FF7? Hérétique. Le I à Fantasy, non. Alors moi j'aurais dit un chat regarde Shining, merde. Mais... Chaque fois, Resident Evil. Je suis désolé. C'est un J'ai jamais joué à Final Fantasy. Et... Oh, le mec, il est dégueulasse. Il est classe. Après, t'as quand même le détail de la tenue violette de. Ben ouais. Dans l'original, quoi. Un chat qui fait mout mout. J'ai jamais joué. Ah, mais faut traduire. Un chat qui fait mout mout. Mais c'est quoi mout mout? Mout mout, c'est quand ça patoune. Chouchoune, c'est quoi quand. Mouette. Chouchoune, tu fais quoi quand tu fais mout mout? Elle me regarde, genre en mode, je comprends pas. Un chat pense à des mouettes. En fait, moi je dis. Salut Nippon Girl 56, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Oh, le chat.
quand le chat est patoun, donc quand il... Si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien. Il est très beau. Il est patoun, je peux dire comme ça. Moi, je dis qu'il fait mout-mout. Jade, t'as reconnu le cara ou pas? La mouette. La mouette. Enfin, oui, mais bien sûr. Comment, c'était quoi son nom déjà? Non, elle avait pas de nom, c'était le perroquet. Ah non, c'était le perroquet. Il s'appelle Marmoud. Ah, alors, Marmoud, ce dessin... Je vais faut le screener. Je vais créer un repère sur le live. Oh, vraiment. Trop bien. Voilà, je crée... ouais, ça ressemble en plus, hein. Ça va et toi, Nippon Girl? J'espère que tu vas bien. C'est vrai que je suis brune en plus. Non, mais le dessin moi est fabuleux. Je l'ai pas, j'ai hésité. Voilà, c'est brune aussi. Direct. Ah, les cheveux noirs en vrai, mais. Oh, c'est bon. Mais même ça, je l'ai trouvé. J'étais en mode. Ah, ouais, c'est parce qu'il en a parlé juste avant. Ça aide. Bah t'as fait une teinture. Ah bah je la connais pas moi la femme à Bibi. Pas mal. Alors oui, on a pas eu la même chose après. Ouh. Mais je crois que. Non, il est stylé. Non, il est stylé vraiment. Je crois que t'as un téléphone qui sonne. Alors. ouais, je sais pas. Sinon en fait comme Sparda la dernière fois, il a calqué en fait le modèle qu'il y a en fond. Oh ça va. Hein. Ouais, je me suis planté dans les chiffres. Oh, avec le numéro dans le mauvais ordre. Oh, il a cramé. Oh. Ah oui, oh là, c'est un bordel. Faut pas leur dire des trucs comme ça aux illustrateurs parce que tu vois, ils prennent tout au pied de la lettre. Ah ouais, alors ça par contre, c'est salaud. Non. Non, mais ça c'est salaud. Ah ouais. C'est... Oh. Il est beau. C'est salaud. Oh mais moi le mien il va être dégueulasse. Ah c'était ça. Il est dégueulasse. Ah ouais, bah attends. Merci à toi, Nippon Girl. Un yeti vert dans une robe rose qui n'est pas content. Non, oui, bah. Ah, il est stylé, j'aime bien. Il a même les cheveux verts. Non, là, on est plus près de. Comment il s'appelle Jean Vert, ouais. L'arrête. Lucius Malfoy, il mange une glace. Ah ouais, alors moi j'ai absolument. Regardez, mais fais le copain. Alors en fait. Là par contre, je ne sais pas qui a fait ça. Mais c'est gris. Chien. C'est, t'as c'est, pas honte c'est, ce mais que si, j'ai... il a les cheveux un peu gris blond. Non, il a les cheveux blonds. Mais je voulais faire blond. Merci à toi, Etigualev, pour ton follow. Bienvenue, l'ami. Ah ouais, non, mais là par contre, non, t'es vraiment pas cool. Je me suis rappelé. Le S de Serpentard. Mais ouais, mais je me suis rappelé du personnage à la toute fin en fait. Oh, il est trop beau. Mais pourquoi t'as mis. Mais j'ai dû faire ça en. J'étais un blond. Mais parce qu'il y a eu le blond de base en fait. Lucius donnait une glace à Drago. En fait, ouais, c'est ça. En blonde. Mais ouais, mais en fait, moi je voulais manger une glace et du coup j'ai voulu mettre en dialogue Drago, genre il appelle son fils, du coup. Alors, pour que vous compreniez que ça soit. Alors moi j'aurais fait un truc de cheveux, j'aurais pas fait de deuxième personnage et j'aurais mis Harry, tu n'auras pas cette glace, avec les cheveux gris. Tu vois. Mal. Ah mais c'est Lucius, c'est pas Drago. Mais de base après il y a eu Drago et on s'est perdu. Ok. Bon, alors, qui reste, qui s'en va, qui rejoint? Donc, on a Luna qui nous a rejoint. Ouais. Moi, je vais y aller. Okay. Pas de soucis. Pas je de vais soucis. Aller jouer. S'il y en a dans le chat qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas. C'est pareil, je vais vous laisser. Comment okay. On quitte comme ça? Ouais, tu fermes la fenêtre. Moi, je suis une dernière. Okay. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah, merci à toi de ton passage. À très vite. N'hésite pas à consulter le programme et s'il y a des jeux qui t'intéressent, n'hésite pas. Ouais, pas de soucis, bah, j'étais là hier pour... Hier, samedi. Non, hier c'était dimanche, mais... Non, mais hier on n'a pas stream, en fait. Ah, je sais pas, il y avait un truc hier, c'est pour ça. Ouais, il y avait un truc normalement qui était prévu, mais le week-end a été compliqué. Je pense qu'ils sont allés jouer de leur côté. Ah oui, LOL, dimanche. Ok, possible. Oui, c'est ça, à LOL, c'est ça. Ouais, j'étais là à 21h. Ah, Nippon Girl qui nous rejoint. Ça, c'est cool. Allez, bonne soirée. Allez, amusez-vous bien. Bis, ciao. Bonne soirée. Ok, on a Nippon Girl qui nous rejoint. Je mets le live en. Hop là. Je vais mettre le live en fou et puis je vais vous laisser là. Parce qu'il y a comme énormément de filles qui rejoignent pour jouer à Gartic. Ouais, c'est impressionnant, hey. Ouais. Non, mais tu sais que dans ma commu, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai plus de nanas que de mecs. Dans la commu en général. Donc, c'est sur Call of, c'est assez rigolo joueuses. Pendant une période. Ouais, sur Call of, c'est assez rigolo pendant une période. T'entendais des cris. Alors. J'ai pas dit. Oh, j'ai envie de tenter un move, mais. Tente. C'est tellement pas dessiné, mais. Pff. Du coup, je vous dis bonne soirée. Ciao, bonne ciao. Bonne soirée. Je sais pas quoi faire. Oh mon dieu.
Oh, j'ai réussi. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Merde, c'est lequel, lui? Alors, c'est pas cool, ça. Ah, ce qui est chiant, c'est que t'as pas les mêmes outils, tu vois, que sur une tablette graphique pour... T'as pas la pression du stylet. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'est le truc le pire, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça où j'ai le plus de mal. Ah, puis je m'applique quand même un petit peu, parce que si j'ai un de mes clients qui passe sur le live et qui me dit pardon pardon, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'expliques? Ah, ça serait rigolo, ça. Oh, purée. Ah, mais là, c'est pas très beau du tout, hein. Ah bah, il y a des fois, ça vaut pas, hein. C'est à ton image. Que je te dis, hein. Le plus important. Alors là, je vais finir, mon dieu, non, c'est trop moche, attends. Comment on n'est pas beaucoup, s'il y en a un qui m'est terminé, ça nique la game de tout le monde, c'est bon. C'est ça. Bon. Non, c'est pas bon, putain. Bon, bah, je ferai avec ça, hein. J'essaie de m'appliquer et tout, j'essaie de faire un beau truc. Je suis dégoûtée. Oh, c'est trop beau. Wow. Ah, un bruit avec le micro. Tu dessines très mal la souris, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, on n'est pas là pour juger. Pour rire. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je suis pire. Mais Yon, j'en fais des trucs verts ce soir. T'étais destiné. Avant de faire une connerie, j'ai un doute. Ouais, ce que je pensais. J'ai failli faire une grosse connerie. En fait, il faut pas trop jouer à Gartic Phone parce qu'après, tu deviens meilleur à la souris qu'à la tablette. Bon, il y a du chemin à faire, mais... Nope. Il y a beaucoup, j'avais fait des games, en fait, je rejoignais des games de temps en temps. T'as beaucoup de liver, hein, sur ce jeu, hein. Je pensais pas, mais... Des gens qui ragent et qui partent. Ah oui? Ouais. À ce moment-là? Ah, je te jure. Alors... Savoir rire dans la vie, voyons. Grave. Ça me fait penser au stream de Marcus là, avec Claude, la Coralie. Oh là là, putain, quel enfer. Ah oui, parce qu'il a fait du Gartic, Marc. Bah là, ouais, je te dis rien, il a fait du Gartic. Avec Marcus? Et ouais. Au tour à tour, tous ensemble. Il y en a un dans le chat qui arrêtait pas de râler.
disait très insultant. Ah ouais, carrément. C'est pas drôle. Toi. Ouais, arrêtez de jouer avec des gens qui savent dessiner. Nanani, nanana. Ah oui, puis. Ouais, j'organise un live un jour avec Marcus, ça pourrait être cool. Ah, grave. Ah, le problème, c'est qu'avec Game One, il a pas beaucoup de temps en fait. Oui. C'est le jeu de soir où il stream. Ouais. Ah, du coup, t'as déjà fait qu'il faisait du Yartic qui est tous ensemble, c'est plutôt pas mal, franchement. C'est le meilleur. Ouais, j'ai vérifié, ouais, exactement, Rina, c'est ça. Si t'as vu mes dessins, je suis pas le plus doué. Mais on, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave, tu verras les nôtres et tu vas vite comprendre que tu peux dessiner. Ah, okay. Voilà, c'est pas un concours de celui qui dessinera le mieux. Je déteste celui qui a cliqué sur terminé là. Grave, moi aussi. Désolé. Je m'excuse aussi. En plus. Aïe aïe aïe. Non, ouais, j'ai vérifié, j'étais pas sûr en fait. Parce que c'est que. Mais je fais de l'anatomie et tout là. Désolé Bibi. Ah merde, ça va se payer sur Rocket League, ça je le sais. Ça. Ah, en fait, j'arrive à savoir qui a dessiné les dessins maintenant, c'est ça qui est ouf. Ah, j'avoue que le prochain Rocket League qu'on fait, tu prends tarif. Hein. Je prends tarif, d'accord, sympa. Je suis plus doué pour monter mes classes sur un MMO qui a dessiné. Faut donner ça. C'est drôle, c'est qu'on sait pas dessiner. Waouh. Oh non, mais non. Hein. Alors, on va faire un petit truc. Oui. Ah, puis c'est là que tu vois le fossé. Moi, je suis infographiste, je suis pas illustrateur, donc c'est un peu compliqué quand même. Beaucoup pensent que c'est le même métier, d'ailleurs. Mmh. Alors, tellement pas. Nous deux savons. Ah, grave. Ah non, mais c'est ça. Hein. C'est, T'en as beaucoup qui pensent que... Moi, je fais de la modélisation 3D à la base. Mais là, du coup, oh, c'est pas le même monde. Hein. Ah bah, c'est pas du tout le même délire, hein. En fait, je fais les deux, je suis concept artiste et 3D artiste. Ah oui, d'accord, oui, non, mais tu triches aussi. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai une formation de concept artiste pendant 3 ans. Ouais. Et après, mon école nous a demandé de choisir une spécialité. Et enfin, de choisir une seconde spécialité. Et moi, j'ai pris 3D. Et du coup, maintenant, je suis en train de basculer vers la 3D. D'accord. J'en ai fait un peu sur ZBrush, 3DS Max. ZBrush, ouais, ZBrush, c'est ouf, mais tu passes ta vie dessus après. Et d'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un truc sur ZBrush, là, je suis en train de faire un petit Raptor. Raptor, du coup, faudrait que je... Trop cute, ouais, je sais pas, c'est. Oh non, 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 non. Qui a fait ça? Mais non, j'ai pas. Bibi, encore, Bibi. Mais non. Ouais, en plus, je me suis pas fait chier, moi. J'ai fait citer. Merci Maden, bien sûr. Bienvenue. Merci pour ton follow. Oh non, je me suis trompé. Il est trop beau mon truc là. Ça te trait en fait. Pierre. Alors, le dernier, je sais pas celui d'où je suis le plus fier, quand même. Clairement, là... Mais non... J'essayais de m'appliquer, et voilà. On peut pas.
On a pas le temps. Ah, je me dis, si je tombe sur Oui Bigette, ça peut être rigolo. Ça va être très rigolo. Voilà, c'était sûr. Franchement. Il est magnifique. Ah, franchement. J'ai passé Bob. Bob Razowski. Ah ouais, c'est si loin. Ah, mais j'ai pas eu le temps d'écrire. Oh merde. Ah non, mais c'est. Voilà. Oh, il a pris cher, Bob. C'est pas le bon Bob. Ah non, c'est pas le bon. Un biscuit heureux. Non. Ah, j'ai pas pensé à ça. Voilà, je voyais un lu. Ah ouais, non, mais ouais. Pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Mais j'ai pas pensé. J'ai pas eu le temps de finir. Eh, mais alors, tu sais qu'en fait, là, la petite astuce, tu prenais un dessin de licorne, t'allais prendre un dessin de Denver le dinosaure avec sa guitare, t'avais le combo parfait. Vraiment. Je dessinais un petit licorne. Ah, et mais tout, il manque la corne, mais. Mais oui. Un chameau. Il a un corps vachement court. Moi, j'aurais dit un lama, on n'est pas loin. Regarde, il est trop beau. Ça, c'est un dromadaire, alors, hein, c'est pas un chameau. Hein. Non, c'est un chameau. En plus. Non, c'est un chameau. Non, c'est un chameau. Un dromadaire, ça a une bosse. Justement, c'est ce que j'ai été vérifié. Ouais. Chameau, deux bosses, dromadaire, une bosse. Voilà, c'est ce que j'ai été vérifié d'ailleurs. Chameau. Fait deux bosses. Ah, j'aurais pas dû faire le jaune, tu vois. Regarde, il est magnifique. Il est classe. On va falloir qu'il s'épile un petit peu les bosses, mais. Un cerf annuel. Alors là, c'est... Là, le dessin était fabuleux. Hey, je trouve le dessin fabuleux. Vraiment. Ah, je sais pas comment faire le concept de voler. Non, mais c'est très bien. Oh, Bambi. C'est Bambi. C'est Rudolph. C'est mi-Rudolph, mi-Bambi. Petit poney. Petit poney. Oh, il est beau. Mais je pense que... Alors, j'en ferai un. Ce serait peut-être un petit truc un peu plus élitiste. Ce serait bien de faire venir des illustrateurs à la tablette et de faire vraiment gros truc, mais d'être beaucoup, d'être une vingtaine et de prendre vraiment des très bons illustrateurs. Bah alors il faut augmenter le temps parce que là Hulk devant elle. Ça peut être drôle. Ah, alors je pense que c'était un devant magnum. Ouais, voilà, c'est moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Bah moi j'ai mis devant un miroir, mais j'ai pas eu le temps d'écrire en fait. Il est fabuleux. Il est magnifique. Magnifique, j'adore. Et puis il y a le mien. Voilà, sur lui c'est compliqué. Mais il est beau. Il boursouffle les pépères. Ouais, ça va avoir beaucoup de glace, hein. C'est pas vrai, hein. Ah ouais, ça par contre c'était salaud parce que je suis pas. Se rappeler de quoi ressemblent les Pokémon. Mais il est magnifique. Ah, on a l'idée, on a la queue. C'est en fait le plus. C'est ça. Ouais. C'est en plus c'est ce que j'avais zappé à la base. Hein. Tu fais la queue, ça suffit. Principe. Bah oui, c'est comme Pikachu, tu vois, c'est. Ouais, il passe, hein, les codes sont là. Hein. Ouais. Chaque. Alors là. Le dessin, voilà, le dessin que j'ai eu est magnifique. J'adore. Bravo Bibi. Ouais, il est classe. Simple mais efficace. J'aurais dû y penser ça. Je voulais rajouter un chat qui le dit, mais. Oh, j'adore. Ouais, très très bien, ouais. Tu vois. Chut. Ouais, c'est génial, ce jeu est génial. Ah, ce jeu est fabuleux, hein. Vraiment. Et quand t'es beaucoup, c'est encore. Ça donne des trucs. Oh là là. Ah, ce qui est chiant, c'est quand t'as des mecs qui te calent des Staline et voilà, ou des trucs comme ça. On en a eu un la dernière fois, c'était avec toi, Bibi. Hein. Machin suce, toi. Ouais, j'étais là, ouais. Ouais, un peu flippé quand même. Ouais, tu m'étonnes. Oh, j'ai pas d'idée, non. Allez. Non, allez, on va pas compliquer les choses quand même. Hop, voilà. Oh, c'est ça. J'espère que j'ai pas le tien. Après, j'ai vu des parties de Gartic Phone, c'est. Wow. Les mecs partent vraiment très très loin. Pas te mentir, quand on en fait en interne avec Wii Buguette, c'est du limite, mais en interne, genre entre nous. Pas en stream, quoi. C'est des trucs qui sont pas en stream. Ouais. Oh là là. Comment je le dis ? Alors. Oh, c'est pas facile là, ça. Hein.
Je maudis celui qui a fait ça. Je me souviens même plus de ce que je mets à chaque fois quand je démarre une partie, c'est chaud, hein. Ah merde. Tu te souviens pas de... Genre dès que je commence le dessin d'après, j'oublie ce que j'avais mis avant. Ah ouais, ah super. Ah bah dis donc, ça, ça va être beau. Le dessin que je viens de faire, il me fume, il a l'air si chill. Il est trop mignon celui que je viens de faire. Mais c'est bien parce que du coup on se découvre des talents. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est exactement ça. Et... puis on apprécie. Ouais. J'attends de découvrir perso. Hein. Bah après, oui, tant qu'il n'y a pas, tu vois, de trash talk ou de conneries comme ça, c'est vraiment cool. Moi, vous débrouillerez avec ça. Hein. Ah, attendez, je fais un petit détail. Moi, il faut la ref un minimum, quand même. Hein. Oh là, j'ai pas le temps de se dire. Il est beau. Oula. Ça fait... Bébert. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a du noir? Oui. Ah, mais non. Est-ce qu'il y a du vert? Oui. Est-ce qu'il y a un point de rouge? Oui. Tu te débrouilles. T'en as un sur le bras, c'est tout ce que je peux te dire. Ah non, mais tu dis parler du dessin là que je vois sous mes yeux. Oui. Non. Ah non, mais c'est pas qu'on a utilisé. Dessin. Ah, on a utilisé les mêmes couleurs en plus. Oui. On est trop liés. Moi, j'avais que du jaune. Sors de mon cerveau. Je te l'ai déjà dit. Oh, mais vous êtes marrant, vous. Ah, j'adore cette musique, elle est tellement folle. Chill. Hein? C'est chill. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Ça rappelle les vieux synthés de l'époque. Ah bah oui, hein, c'est pas du Jul et du Aya Nakamura, on entendrait ça. Hein. Ah, mon dieu. Ouais. Tellement parodique, limite, Aya Nakamura, que le court-métrage de promo, de ma promo, en fait, on fait un court-métrage. Mmh. Et en gros, ça se passe dans un embouteillage, genre avec plein de voitures, et chaque voiture, en fait, c'est un cliché de la société. Ah, classe. Et il y en a une, on l'a appelée la Pichasse. Elle est en Fiat 500 avec des cils sur les phares, avec fourrure léopard rose sur le volant, et elle écoute du Aya Nakamura à fond en se faisant les ongles. Le cliché. Ça.
Ah non, mais on censure Pépé le putois, mais on devrait plutôt censurer du Nakamura, quoi. Clairement ça. Ah bah ouais, hein. Casse-barre avec son Pookie, hein. Oh là là, mon dieu. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas les droits pour utiliser la musique, en fait. Ouais, du coup, yo Will Jem. La section son, en fait, de mon école qui s'occupe de faire un cover un peu au style de Aya Nakamura, mais c'est limite mieux que l'original. Ouais, c'est ça, bah c'est pas très dur, hein. Oh, Dja Dja. Oh, Dja Dja. Oh mon dieu. Eh, Pookie, ferme la porte, Pookie. Leur reprise est excellente. Ah, mais moi j'ai déjà écouté, tu vois, par curiosité, parce que bon, faut pas mourir con, comme on faut dit. Faut se faire une idée, voilà. Ça pique, hein. Franchement, ça pique. Je pense qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui ont brûlé à la sortie de son album. Non, quand tu laisses Spotify en auto, hein. Oh là là. Bon, après, Jules, c'est pas mal aussi, hein. C'est en termes de problèmes de conjugaison, de grammaire, de tout ce que tu veux, c'est chaud, quoi. C'est très chaud. Tu fais du yaourt, c'est la même. Ouais, c'est ça. Ah, mais non, mais oui, elle a fait de la feta carrément, tu vois. C'est genre. Là, on est vraiment sur du condensé, hein. Excellent. Ah non, mais là. Non. Ouais, pas de soucis, Boudjam, tu peux nous rejoindre, hein, si tu veux, y'a pas de soucis. Viens, Boudjam, on va lancer un petit débat. Ah, les salauds. Ah, les salauds. Non, je déconne, je bosse demain. Faut pas lancer les débats le lundi soir, tu sais. Bah oui, demain, 8h30, 18h30. Ah, bah écoute, ouais. Oh là là, courage. D'ailleurs, j'ai une vidéo parodique de cette musique. Ah, mais il y en a eu plein sur la scène de Sparta. Ah ouais. Alors moi, je spoil un petit peu, mais j'ai commencé à la faire. Faire un petit mix entre la chanson Pookie et une célèbre partie de Kaamelott, pour ceux qui connaissent. Je dis rien, je pense que ceux qui connaissent la série comprendront de ce que je dis. Bah ouais, mais attends, je réfléchis. Je te dirai en PV, il n'y a pas de souci. Ok. Et la scène dont elle parle dans 300 est plutôt sympathique. Ah ouais, j'imagine. Mais après, moi, j'ai jamais écouté son morceau, en fait, déjà. Franchement, fais-le, par curiosité. Juste pour comprendre qu'on n'est pas tous égaux sur la culture. Voilà, déjà. Et, Demande à Oui Buguette, je suis plus Michel Berger, tout ça, moi. Ah c'est... oui, bah oui, non, mais là, c'est. Je chante du Michel Berger en chœur avec la mère de Oui Buguette. C'est merveilleux. Discord, c'était sublime. Il faut rendre à César ce qui est à César. Exactement. Hop. Oh, je sais pas. Je regarde pas non plus cette série animée. Oh mon dieu. Je suis pas manga en fait. T'étais. Gueule. Non. J'arrête, tu ne m'aides pas. Hein. Il est en train de m'étrangler en même temps. C'est pas brillant. Hmm? Bah, on n'étrangle pas les gens. Mais allez, lui dire ça. Fois, il a pas encore compris. Hein. J'en veux plus. Mais non, ça c'est marrant. Voilà, il t'a répondu. Hop. Je peux rien faire de plus. On est tous concentrés, c'est beau. Clairement ça. Clairement. C'est magnifique.
Alors, c'était peut-être avec toi du coup. Ah, oui, je me souviens pas du débat. Non, mais en fait, Bibi, il y a tellement de débats sur la chaîne avec Bibi que le pauvre, il se rappelle pas tous les débats qu'il y a eu. Tu vois, c'est. Ah, moi, tu me lances sur un sujet, c'est fini. Hein. Ah, bah oui, j'ai vu. j'ai vu. Hop. J'ai vu, mais c'est ça qui est bon. Par contre, du coup, je suis sur ton live, Orion. Il n'y a pas que moi qui est daltonien, apparemment. Pourquoi? Ah oui, bah, oh, bien vu. L'énoncé. Ah, bien vu. Ah, oh, GG. Ouais, j'étais tellement motivé dans mon truc, tu vois, que ouais, j'avais omis un détail. Ouais. Effectivement. Merci. tu m'as évité la honte, là. J'ai pas fini, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Attends, j'ai oublié un truc. C'est pas du streamac, mais tu me parles, faut bien que je te réponde. Ok, c'est parti. Ça y est. Alors, on va voir le talent ça va de être beau, tout le monde. Ça va être magnifique. Allez. Ouais, grave. Et je sais pas si qui est encore sur le live. Un je pense chocobo. Pas. Mange des chocobos. Qui ça? Ah oui. Et comme par hasard, faut que ce soit moi qui me le prenne. Hein. Mais ouais, mais en fait, je crois que c'est ciblé. Je crois qu'il y a des mots-clés. Je pense qu'ils ont ton CV, Gartic Phone, tu vois. Et voilà. Ils savent que t'aimes FF, y a pas de soucis. Donc, mais ouais, mais on est dedans. Hein. Un poussin renifle un chocobo. Ah oui. Ah, il est mignon. Ah, il est so cute. Ah, j'aime beaucoup. Un choco bon. Voilà, ça c'est. C'est pas pareil. Oh, il est stylé. Ah, il est ouf. Ah, il est insane. Ah, il est magnifique. Bon, bah, Kinder, si vous passez par là, vous avez votre prochaine illustratrice. Voilà. Ah, pas. Ok. Bon, bah, c'est ce que j'avais compris. Tu t'es gavé sur le dessin. Waouh, il est stylé. J'adore. Non, le mien, il est pourri à la place. Non, franchement, ça va. Bon, non, il est bien. On voit qu'il est content, hein, tu vois, les petites jambes croisées. Voilà. Et, il est pépouze, tu vois. Il me restait pas beaucoup de temps. Ah, c'est vrai qu'il y a les refs. Ah, il est classe aussi, hein. Franchement. Il y a ce qu'il faut, il y a les codes en fait. C'est ça qu'il faut. Les cornes jaunes et la flèche en rouge. Tu détestes. Tu vois que c'est ciblé, oui, c'est clairement ciblé en fait. Un PC de merde, oui, bah j'en ai fait au tout début quand j'ai commencé le montage vidéo il y a 15 ans. Ah! Moi, je faisais des montages vidéo à l'époque Will Jem sur cassette vidéo. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une horreur. Alors, c'est oui, voilà, c'est. Alors, le serpent est un petit peu en dehors de la voiture. On dirait le siège. Aussi est en dehors. Ouais, grave, on dirait le siège rétractable, tu sais, au parc Astérix, de l'animation qu'ils ont. c'est un peu ça. Voilà. Ou alors la porte est trop beau. Merci pour la voiture rouge, du coup, hein, parce que la voiture, je l'avais fait grise. Une pomme qui pleure. Ah ouais, j'ai pas eu ça en fait. Ah, je crois qu'il y en a beaucoup. Elle est tellement stylée. Elle est trop belle. Elle est triste parce qu'elle est tombée de son arbre. Oh, mais elle est trop mignonne. Regarde, c'est trop beau. On a changé de fruit, mais ça reste la même idée. Mais ouais. Alors, on me demande une cerise triste, je fais une cerise triste. Hein. Ouais. Alors, c'est une bougie Ikea triste. Je charrie. Coxine sur une... Alors le dessin qui arrive est totalement insane. Je le trouve ouf. Faut bien donner du challenge quand même. Non, mais il est vraiment c'est stylé. C'est le dessin que j'ai eu moi. Attends de voir mon interprétation. Ouais, voilà. Bah oh. Ça va. Ouais, mais c'est resté. C'est resté, voilà. Franchement, GG. J'ai vu les petits points noirs là sur le... Minimaliste. Non, oh, c'est trop bon. Mais voilà, minimaliste, mais ça. Ah, mais il faut, de toute façon. Ah ouais, alors ça par contre, des salauds. Ça c'est bon. Mais je suis fier de moi. Il est trop beau. Trop bien. Moi je suis fier de pas avoir dû le dessiner. Bah moi je suis pas fier en fait d'avoir dû le dessiner. Ah il est... ouais, il est stylé aussi. Hein. Je l'ai reconnu aussi de toute façon. Mais c'est bien, c'est que t'arrives à voir qu'il y a des gens, tu vois, qui est... C'est ça qui est beau, qui adaptent en fait des styles artistiques à ce qu'ils font pour gagner du temps. C'est ça. Vous voulez en faire une petite dernière? Allez. Il faut que je trouve une phrase. La DRDR. Alors. La DRDR.
Et mais oui, Garticule, il me connaît trop bien, il me propose un serpent venimeux du désert. Ouais. On a, eh ben, tu vois. Il est 23h, on a le droit de... Bah, on est, bien sûr, on part pas trop loin. Oui. On a le droit de partir un petit peu loin. Mais si vous voulez, on s'en fera entre nous, ça peut être rigolo. Ah oui, clairement, oui. Hors stream, ça peut être sympa. Ou alors un stream payé 18, ça peut être rigolo. Clairement. Ouais, c'est ça. Je me suis spoil du coup, Orion, si j'ai ta phrase. Ça ah bah va oui. Pas être très joli, hein. Ça va être moche. Ça va être très sale, je pense. Bon. On va essayer de faire en sorte que ça le soit pas trop, mais... Ouais, là, c'est vrai que c'est dur de pas... Bah, c'est recherché, non? Ouais, c'est sympa. Bah, j'ai déjà l'idée de ce que je vais dessiner si je tombe dessus, quoi. C'est ça qui me fait peur. Mais tu sais que c'est en fait, c'est ça qui me fait peur. Tu sais quoi? Le karma est vraiment gentil aujourd'hui. Ah, merde. Je sais pas dessiner, moi. Faut penser aux gens qui savent pas dessiner, putain. Qu'est-ce qu'il y a, petit Jared? Oh là là, non, attends. Jared, laisse-moi dessiner cette chose. Oh là 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 là. C'est magnifique. Je vous le dis pas. Et puis tu vois les influences des gens, hein, par rapport au monde de dessin. Ah non, laisse-moi écrire là maintenant. Ah non. Oh purée. Tu veux t'asseoir? Allez, vas-y. Allez, en plus c'est super beau celui que je voulais faire. Non. D'ailleurs, il y avait un Gartic, il faudrait que je vous retrouve la vidéo sur YouTube, où c'est un gamin de 3 ans qui fait une partie. Et il a éclaté des gens dont le dessin, c'était le métier, en fait. Mmh. Ah ouais, non, c'est insane. Enfin, le gamin, il, voilà, faut l'inscrire à... Faut pas qu'il aille en école de gratis. C'est ça, faut pas qu'il aille en école de droit, quoi. C'est là, il va rater sa vie. Hein. Non, c'était impressionnant. Mais il y a des trucs, des fois... Après, c'est vrai que les jeunes, je parle des très jeunes, je sais pas quel âge vous avez tous, mais les vraiment très jeunes à l'heure actuelle sont beaucoup plus habiles que nous. Ça fait vieux con, tu vois, de dire ça, mais de ouf. Bah, t'es le seul vieux ici, hein. C'est vrai, vous êtes tous, vous êtes tous très jeunes. Merde. 22 ans ici. Oh merde. 27. Oh merde. J'ai quel âge, moi? J'ai quel âge? Attends, je vais vérifier la carte d'identité. J'ai 25 ans. À moi, 35. Va. Ça va, oui, merci. T'as quand même... C'est toujours l'excuse des plus jeunes qui disent « Oh, ça va, t'es pas si vieux que ça. » C'est la pire phrase. De ouf. Ah, moi, la pire que j'ai eue, c'était c'était il y a pas longtemps, le jour de mon anniversaire. On fait « Oh, bah ça va, t'es à la moitié de ta vie. » Oh, putain. Sympa. Ah, ça calme. Ça calme vraiment quand on te sort ça, tu te dis... Moi, je déteste le jeu du essai de deviner l'âge de l'autre parce qu'à chaque fois, on me dit ouais, t'as quoi, 37, 38 ans? Ouais, bien sûr. Ah, ça fait zéro. Hein. Ah, j'ai fait une connerie. Non, mais on me donne facilement 35 ans la plupart du temps, physiquement. J'ai l'air très fatigué. Oh, il est trop beau! Ça, je sais que c'est toi, Bébert. Donc, en fait, je vais juste mettre une rêve pour toi. Parce que je l'imagine comme ça. Attends, je te le prends en photo, oh, je te l'envoie. Oh l'enfoiré, Will James, c'est trop méchant. Dans pas longtemps, il devra mettre des couches, mais il est pas vieux. Oh non, mais ça, c'est le pire. Ah, oh, c'est le pire du pire, hein, vous êtes sérieux? Ah non, mais c'est attends. Honteux. Ouais, c'est méchant. T'imagines un youtubeur incontinent comme ça, comment ça doit être désagréable. Un streamer incontinent. Bon, alors aujourd'hui, on va faire 24 heures de stream. Mais je sais même pas ce que c'est. Bah, moi non plus. En plus, non, c'est pas lui, en plus. Je sais pas pourquoi, mais non, pas pourquoi, je l'imagine comme ça. C'est le streamer. Ah, d'accord. Lequel? Non. Ah, je pense que c'est ma phrase. Oh mon dieu. Ah, les salauds.
Tu peux arrêter, s'il te plaît. Alors là, désolé à celui qui apparaîtra sur le dessin, je suis vraiment désolé. Heureusement, je le connais pas. Désolé, c'est tout ce que j'ai à dire, je peux pas dire autre chose en fait. Ça va être qui totalement... Qui est tombé sur ma fraise, c'est bon. Ouais, surtout que je sais pas si c'est ça que tu voulais dire en fait. Ouais, dommage, mais c'est pas son prénom. C'est un... Voilà. Ouais, je sais, mais... C'est un mec random, c'est un mec random. Ah. C'est un des profs de Willy Buggett. D'accord, j'imaginais comme ça. Bon, voilà. Bah, il va passer au YouTube Game, quoi. Désolé. Tu t'entends plus rire, toi. Alors, vous pourrez faire un screen, lui envoyer sur... Il va être content. Sur Twitter. Il va faire un maqué, c'est quoi son bordel? Maqué. Maqué, c'est quoi ce dessin? Oh non. Un nouveau follower vient de rejoindre la communauté. Expecto al dente. Voilà, bon bah désolé, c'est mon interprétation. Je suis désolé, vraiment. Pourtant, j'adore cette personne et je pense que bah, ce sera mort pour que je le fasse venir un jour sur Twitch. Je pense attends la fin pour voir c'était qui à l'origine. Oui, ah oui, oui. Parce ouais. que l'origine, tu vas pas dire. C'est si je mets l'origine, à mon avis, il va pas aimer. Très important. Petit détail de merde à la fin. Mon dieu. Oh merde, oula, c'est quoi là? Il est trop bien. Et je me suis agressé par ce dessin. T'as agressé carrément. Oh merde. Salut André Chirien, merci à toi pour le follow, merci beaucoup. Attends deux secondes. Il sera pas vieux, il retournera en enfance, pas pareil. Non, oui, c'est moi je reste, de toute façon. Personnellement, je connais pas le personnage, mais j'ai dû aller chercher. Non mais vous pouvez les chercher. Heureusement, hein, parce que sinon ce serait... Il y a des trucs des fois... On n'a pas tous la même culture du coup, donc c'est compliqué. Alors là... J'ai fait ce que je peux. Hein. Alors là... Mais t'inquiète pas, on fait tous ce qu'on peut depuis tout à l'heure. Faire
C'est juste horrible. Ah mais grave. Je suis chiche, mais plus de 10 minutes. Non mais t'inquiète, c'est la dernière partie qu'on fait. C'est le pauvre Willy-Jem qui va faire les best-of. Après, si je mets 4 heures de live, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Fabuleux. Franchement, fabuleux. Là, les propals qu'il y a sur cette game, fabuleux. Ah non, non, non. Tu vas pas faire ça. Par contre, Alien avec un E. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Dénonce-toi. J'avoue, j'avoue. C'est le ripage sur le clavier. C'est moi. Voilà. Ah d'accord, ok. Ouais, bah c'est cool, cool. Bah écoute, va falloir que je m'adapte, ok. On reconnaîtra jamais. Jamais on va le reconnaître. Ah d'accord, ok. Tu m'expliqueras en PV si tu veux. Ah d'accord, ok, tu m'expliques en PV si tu veux, Willy-Jem. C'est peut-être lié à... au C19. Je suis fier de mon dessin. Ah bon? Ouais, moi je suis fier de tous mes dessins depuis le début. Hein. Ça c'est fait. Alors, là, ça va envoyer du très lourd, je le sens. Ok. Alors là, ça va être... Là, ça va piquer, je le sens. Ah non, mais... Oh. Excellent. Il est fabuleux. Oh, pauvre Johnny. Celui-là est magnifique. Du tout. Oh non, vous avez osé. Oh mon dieu. Mais what? Ah ouais, 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 actuellement alors, ouais, actuellement si... Je suis pas fier du tout. Ah bah c'est oui, mais actuellement si on l'exhume, c'est sûr qu'il doit pas être Orion en stream, waouh. C'est Bibi, hein. D'accord. Mais regarde comme il est beau. Ah, il est fabuleux, ouais, d'accord, ok. Non mais je vois comment on voit Oui Oui Buguette maintenant, D'accord, ok. Okay. Elle aura cette image dans la tête. Alors, Daniel en string, alors je suis désolé à toi, Antoine. Daniel. Voilà, 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 c'est ma version. C'est ma version, voilà, voilà, Antoine. J'ai dû aller chercher sur internet What the Cut et ça m'a mis. Alors, ça m'a mis Daniel Antoine. D'ailleurs, je vais faire une petite capture d'écran. Voilà, attends. Mets-le en PP, le monde des saints. C'est passé d'Orion à un autre. À Daniel. Voilà, alors attends, ce qui serait beau, c'est que la personne derrière... Voilà, donc c'est parfait. Donc, hop, on va faire ça, on va screen avec ça. Voilà, hop. Parfait. Et dessin. Antoine Daniel String, la photo, tu vois, c'est magnifique. Et j'ai pas mis ma souris. Hop, ok. Parfait, fabuleux. Oh. Oh la ref! Très très beau la ref! La ref est très très bien! La ref est très très bien! Excellent! La ref est très très bien! Je vais même l'enregistrer en fait, carrément! Anguille! C'est génial! Non non, il était fabuleux! Là c'est Shrek qui twerk! À chaque fois je tombe sur toi, je te déteste! D'accord? Oh. Ah ouais, alors moi j'ai pas eu la même chose. Là on dirait Bill du Big Deal, tu vois, c'est. Mais non, il voilà, est... moi j'ai eu ça! Oh, l'alien qui pète! Ah, à quel moment t'as reconnu un... D'accord. Ah oui, d'accord, parce que c'est revenu avant. Ok. C'est pour ça. J'adore. Ah, c'est génial. Ah non, mais il y en a qui sont fabuleux. Hein. C'était pas mal. Ah, ça par contre, je suis un petit peu fier. Il est trop beau. Non, je crois pas. Je t'ai dit en MP... Ouais, je regarderai après, ouais. Écrire cola avec un bébé qui bouge dans tous les sens. Ah ouais, j'avoue. Ah bah là, t'es sur du gros challenge. Là. Yeah, c'est trop chou. Bah ouais, ouais, je voyais les points rouges. Je me dis, bon. Tu sais, je commence à cibler qui dessine et tu vois qui peut intensifier sur des détails. Coke. Coke. Fabuleux. Excellent.
Un dauphin à la piscine. Oh, ah ouais, oh là, ah ouais donc c'est loin. Je pense c'est que... ma phrase type. J'ai pas changé. Je me suis dit, c'est bien. Tiens à dire qu'on a gardé le dauphin, mais. Pas au même endroit. Voilà, moi je connais pas l'Aqua Boulevard. Je suis dans le sud-est. Ah merde. Je suis dans le Var. Ah merde. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau Aqua Boulevard, au Var, y a pas grand chose. Ouais. On a Aquatica, tu vois. Ouais, c'est un peu. Bah ouais. Oh là là. Ouais. Oh, tu t'es gavé sur le dessin. Fabuleux. Ah ouais, non, mais ça, faut arrêter avec Dobby, sérieusement. Vous savez un peu comment c'est galère à dessiner. C'est galère mais à dessiner un Dobby. Il m'a fait peur. Dobby en colère. Oh merde. Il est magnifique. Oh, il est vénère. Oh mon dieu. Dobby me regarde trop mal. Oh, il est classe. Ah, les ombrages et tout. Oh, attention, Jade, on l'arrête plus là, c'est fini. Salut. Ça y est, je me suis découvert un talent. Eh bien. Voilà, ce qui clôt un petit peu ce stream Gartic Phone. Ah, c'était fun. Vous en avez pensé quoi, du coup? Excellent. Ouais, je trouve ça cool. Vraiment, c'est cool. Cool. Ça permet aussi de déjà d'avoir j'ai de... mal aux zygomatiques. T'as mal aux zygomatiques. J'adore ces lives où je peux démontrer tout mon talent artistique. Deux. Moi, j'aime bien dessiner des gens en stream. D'accord, ok. Non, mais on verra si Antoine aime aussi. On verra. Je vais lui linker le truc tout à l'heure sur Twitter. Ça va être rigolo. On verra déjà s'il répond. Hein. Ce serait bien rigolo. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. C'est cool. De nouvelles têtes hein, chaque soir en live. Ça me fait plaisir. Du coup. Attends que je t'appelle par ton pseudo. Bah non, c'est oui, Buguette. Voilà, Buguette. On parlera en PV aussi si ça te dérange pas. Vu que t'es illustratrice, ça peut être intéressant. Non. Et voilà. J'espère que ça vous a plu sur le chat. Je vous donne rendez-vous donc dès demain matin pour Uncharted 4. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Oui. Oh là là, c'est fini. Mais on se retrouve bientôt.